Toutes et à tous et bienvenue sur Télé Créole, votre émission Les Experts. Je ne parlerai qu'en présence de mes avocats, Maître Waro et Maître Etève. Un numéro de téléphone, c'est le 02 62 566 566. On attend bien sûr vos appels juste après le générique. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, on vous l'a dit, bah écoutez, une bonne humeur sur le plateau avec Maître Waro et Maître Etève. Et on attend bien sûr vos numéros de téléphone. Le téléphone va s'inscrire sur votre écran dans quelques instants. C'est le 02 62 5 6 6 5 6 6. En attendant bien sûr vos appels au standard, quelques petites questions. On va parler permis de conduire. Il y en a qui passent leur permis, d'autres qui le perdent. Quand on a tout perdu, qu'on a fait les stages, eh bien annulation du permis. Mais il y a également des avocats où c'est un petit peu aussi eh bien, leur fagot d'or, parce que c'est un sujet quand même qui est assez convoité en métropole, mais également, est-ce que c'est convoité à La Réunion? Y a-t-il des avocats qui vont vous défendre parce que vous avez perdu vos 12 points? Alors, oui, il y a toujours des avocats qui sont... Merci, c'était juste indirect, c'était très bien. Normalement, j'ai dans l'oreillette, mais là, c'est bien. C'est la voix de Stéphane. Alors qui sont capables de vous défendre, effectivement, mais encore faut-il qu'ils trouvent les moyens pouvant faire annuler la décision qui aurait annulé vos points. Alors, il y a une vigilance particulière sur l'officier qui va vous verbaliser et sur le radar qui a constaté que vous êtes en infraction. Donc, il y a quelques moyens, effectivement, pour que l'administration revienne sur sa décision d'annulation. Et dans ce cas-là, il faudra aller devant le tribunal administratif pour soulever le problème. Ou si vous êtes convoqué devant un tribunal, ce sera également le moment de soulever les difficultés de procédure qui sont susceptibles d'être levées. Oui, des petites, parce que c'est vrai que ça passe du temps quand on a conduit à 3 grammes chaque bras. Là, bien sûr que là, il n'y a aucune excuse, on est bien d'accord. Maintenant, c'est vrai que des petits délits de 10 km/h, ce qui est quand même énorme, on sait très bien pour la prévention routière. C'est énorme, 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Sur une grande route où c'est 90 ou 110, on peut se faire prendre une fois par mois. Au bout d'un an, on n'a plus de points. Est-ce que là, vraiment, Quels que soient les motifs. Hein, oui, quels que soient les motifs. Par exemple, en cas d'alcoolisation, il est arrivé que la procédure ne soit pas bonne. Sur notamment les instruments de mesure. Oui. Alors aujourd'hui, on essaie de pallier parce qu'il y a plusieurs contrôles, en fait, pour éviter justement qu'il y ait des annulations. Mmh. Parce que ce serait bien triste qu'on puisse conduire en mettant dans les autres et soi-même, mais il y a toujours moyen, quelquefois, pas toujours, de trouver des solutions s'il y a des problèmes de procédure. Très bien, mais écoutez, merci Maître Waro pour ces précisions. Donc gardez quand même votre permis, il y a toujours les 4 points à récupérer, ça coûte cher quand même, mais c'est sympa. Allez, on va donc retrouver notre standard 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute, quelle est votre question? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, j'appelle concernant un problème d'assurance avec un expert automobile. D'accord, assurance automobile. Voilà, je souhaiterais savoir, dans le cadre d'un accident de matriculation, quand on est non responsable. Oui. C'est-à-dire que j'étais à l'arrêt et une voiture a heurté ma voiture à l'arrière. D'accord. Voilà, et ce que je voulais savoir, c'est que quand on est non responsable, est-ce qu'on a droit à une indemnité légale ou on a droit à une indemnité contractuelle? Parce que j'ai pris des renseignements avec des experts et puis sur Internet, on me dit que normalement ma voiture doit être réparée dans le même état qu'il était avant l'accident. Et j'aurais aimé savoir est-ce qu'il y a vraiment une loi pour ça. Ah. Nous allons vous orienter, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi, là c'est quand même assez assurance, oui, est-ce que ce sont des cas que vous avez aussi... Il faut connaître le contrat que monsieur a, le type de contrat, oui. De quelle assurance bon, de toute façon, s'il n'est pas responsable, effectivement, on doit lui réparer sa voiture à l'identique. Alors moi, je vois pas bien l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un contrat particulier qui prévoit une indemnité? Non, il n'y a pas de contrat. J'ai pas de contrat particulier. C'est quoi comme assurance que vous avez, monsieur? C'est tout risque. D'accord. Et quelle est votre difficulté, là? Qu'est-ce qui vous dit l'expert? J'ai un diffuseur arrière sur ma voiture que j'ai rajouté. C'est pas un diffuseur d'origine. Ah, d'accord.
D'accord. Le diffuseur d'origine, il coûte en gros 500 euros. Oui. Et le diffuseur arrière que j'ai rajouté coûte 1500 euros. Oui, alors monsieur, là-dessus, est-ce que la modification a été signalée à l'assurance, d'une part ? Est-ce qu'elle était autorisée, d'autre part ? Parce qu'effectivement, les assurances peuvent refuser d'assurer des éléments qui ne sont pas les éléments d'origine du véhicule. L'esprit tuning, quoi, un petit peu, ouais, c'est vrai que... Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si j'étais responsable de l'accident, là, on m'aurait indemnisé selon le contrat. Mais comme là, je suis non responsable de l'accident, est-ce que j'ai droit à une indemnité légale, c'est-à-dire réparation en totalité ? Réparer le véhicule comme il est. En tout cas, moi, je ne crois pas, monsieur. Je pense que l'assureur a la possibilité, effectivement, de vous réparer le véhicule l'état normal dans lequel il était à l'origine, pas avec les améliorations que vous lui aviez apportées. D'accord. À mon sens. Et est-ce que vous savez comment faire pour un recours direct ? Un recours direct, c'est-à-dire ? Oui. Ben, engager une procédure contre l'assurance. De la personne responsable de l'accident. Ben oui, il va falloir aller voir certainement un avocat, faire un acte de procédure qui s'appelle une assignation en justice. Oui, pour, pour justifier effectivement d'un préjudice qui va au-delà de ce que l'assurance vous a remboursé, pour pouvoir effectivement demander indemnisation. Et donc là, les frais... les frais du... Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Le diffuseur en option. Voilà, oui. Ouais. Et excusez-moi, dans ces cas-là, c'est le monsieur qui règle aussi tout à ses frais l'avocat. Tout à fait. Donc, faut quand même bien. Sauf s'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Voilà, si vous avez donc des revenus modérés, vous avez droit donc à l'aide juridictionnelle. Tout à fait. J'ai bien dit. Et sinon, non. Et sinon, oui, mais sachant que quand, dans le cadre de la procédure, il y a une demande qui peut être faite par l'avocat au titre des frais de procédure et des frais d'avocat contre l'assurance en disant que voilà, il a fallu qu'on initie la procédure parce qu'ils n'ont pas voulu payer, donc voilà. Voilà, monsieur. En tout cas, on peut pas aller plus loin en réponse. Et puis, c'est vrai que tout se base sur un contrat. Et bien sûr, les avocats se basent également sur les contrats. Donc, c'est pas évident. Mais en tout cas, a priori, c'est difficile quand c'est un rajout style tuning et pour une pièce un peu plus chère. Voilà. Voilà, monsieur. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Ok. Très, très bonne soirée. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, allô. On vous écoute. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, oui. Oui, bonsoir. Voilà, c'est pas une question, s'il vous plaît. Écoutez, on vous écoute, on est tout oui avec Maître Warraud et Maître Etève. Voilà, j'ai fait un crédit revolving il y a déjà moins 4 ans, 5 ans. Mm-hmm. L'échéance n'est pas passée. Ils m'ont envoyé devant chez un huissier avec un huissier. Et j'ai commencé à payer plus un an et demi. Et puis une échéance n'est pas passée, et puis il y avait de l'argent sur mon compte, et j'ai reçu aucun courrier. 18 mois après, il me recontacte, il dit que je dois de l'argent, bien sûr, pour faire l'échéancier. Cette fois-ci, je demande un délai, ils ne veulent pas m'accorder, ils m'ont dit, bon, de toute façon, il faut faire l'échéancier tout de suite, autrement, ce n'est pas possible. Et puis il me dit, bon, de toute façon, vous allez devant les tribunaux. Donc, j'ai contacté, parce que j'ai une assurance habitation, j'ai contacté le service juridique. Et c'est ça ma question. Ils m'ont dit que je peux faire jusqu'à 2 ans. Je voudrais savoir si c'est vraiment quoi. Une vérification. Maître Warraud. Alors, en fait, ce que vous nous dites là, c'est que votre garantie juridique vous dit que vous pouvez avoir un délai de 2 ans pour payer, c'est ça ? Jusqu'à 2 ans, c'est un délai, parce que entre 18 mois, j'ai aucun... C'est un délai maximum. 18 mois, j'ai aucune nouvelle. Alors, et puis, 18 mois après, il est au contact. D'accord. Il dit que j'ai... Alors, en fait, monsieur, ce qu'il faudrait demander peut-être à votre crédit revolving, là, à l'organisme, c'est l'état exact de ce que vous leur devez. Non, oui, d'accord. Parce que quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit que je dois 5 000 de poussière. C'est possible, mais en fait, il y a aussi après, les...
j'ai contacté mon huissier. D'accord. Pour demander combien il devait. Il me dit 4200 euros. Longtemps après, j'ai téléphoné. Quand il me retraque, quand ils m'ont téléphoné. Troisième fois. J'habite au couvrement. Ils m'ont dit pourquoi vous n'avez pas dit ça depuis avant. Alors monsieur, c'est pour ça que je vous dis, il faudrait savoir exactement avec l'organisme de crédit combien vous leur devez, première chose. Le problème, c'est que quand l'huissier est saisi, il y a des intérêts qui vont se rajouter à la somme que vous devez initialement. D'accord ? Il y a le capital, et après il y a les intérêts, les frais d'huissier, tout ça qui se rajoutent. Et ça peut aller très vite. C'est-à-dire, au départ, vous pouvez devoir 2000 avec les frais d'huissier, les intérêts légaux, les intérêts moratoires, les intérêts de retard, tout ça. Ça peut multiplier rapidement ce que vous devez. Donc, première étape, demandez le montant exact. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, écoutez la réponse. Il faut que vous demandiez la résiliation de votre contrat, parce qu'un crédit revolving, ça continue. D'accord ? Tant que vous n'avez pas résilié votre contrat, eh ben le crédit initial continue à produire ses effets. Donc, il faut résilier votre contrat. C'est important. Et troisièmement, pour votre fameux délai là, sur 2 ans, pour avoir la possibilité de payer par échéance sur 2 ans, il faut que ce soit une décision du tribunal. Ce n'est pas vous qui allez imposer ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur les montants, sur les échéances qu'on vous propose, vous saisissez le tribunal en disant « moi, je veux bien payer » ou vous attendez que l'organisme de crédit saisisse le tribunal. Et à ce moment-là, vous pourrez demander un délai de 2 ans que le tribunal peut ou pas vous accorder. Le tribunal n'est pas obligé. D'accord. C'est un délai maximal. Oui, parce que eux, ils ne veulent plus rien entendre, ils veulent devant le tribunal. Oui, c'est pas grave, vous irez devant le tribunal, et puis à ce moment-là, mais entre-temps, résiliez surtout votre contrat de revolving, là. Résiliez et demandez à l'huissier le montant exact. Sachant que ce montant, il va continuer à changer, parce qu'il y aura les intérêts qui vont continuer à courir. Juste une petite question, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un crédit revolving? C'est un crédit à gros taux, un crédit pas arnaque, mais presque. Allez, n'ayons pas peur des mots, un crédit arnaque. C'est un crédit qui a souvent des clauses abusives et qui a des taux très importants. Et en fait, les gens souvent qui sont surendettés, on leur propose ce crédit et ça les place dans une position encore plus difficile parce que les taux d'intérêt sont importants et le crédit s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il faut le résilier impérativement, important. Le crédit revolving, c'est un crédit qui se renouvelle constamment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez une somme, ils vont remettre la même somme. Et quand vous vous remboursez tous les mois, on rembourse les intérêts et non pas le capital. Donc du coup, vous ne remboursez jamais la somme de base que vous avez empruntée. Ouais. Vous remboursez les intérêts régulièrement et du coup, vous vous en sortez jamais. Crédit revolving, le cercle infernal. C'est le revolver, C'est la roulette russe. C'est ça. D'accord. Bon, écoutez, monsieur, déjà, première chose qu'il faut faire, Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On va annuler le crédit revolving. Ça, c'est la première chose. Vous demandez à accusé réception pour résilier votre crédit. Il m'a dit d'envoyer un courrier pour demander ce délai de 2 ans. Oui, monsieur. Si j'ai pas de réponse, ils vont saisir le tribunal. C'est pas grave. C'est eux qui vont s'en occuper. C'est pas grave, mais vous résiliez votre contrat, sinon il va continuer à produire ses effets, surtout, monsieur. Donc j'ai fait ce courrier. J'ai compris. Ce courrier qui m'a demandé le juriste, et puis en même temps, j'ai résilié mon contrat. Voilà. C'est bien. C'est ça. Ok. Voilà, monsieur. Bon, je vais attendre. N'hésitez pas à nous rappeler, si vous avez des... rappelez-nous, la semaine prochaine, dans 2 semaines, bref, allez-y. D'accord. Merci, bonne soirée. Bon pareillement. Au revoir. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Vous avez une question, un doute? Eh bien, écoutez, les experts juridiques sont là et sont là, bien sûr, pour pouvoir répondre à vos questions. On continue au standard. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On attend votre question. Mais je voudrais savoir une question avec une dame. Oui. On a eu un décret sorti du ministre de la Justice en métropole. Le décret, il dit que c'est le procureur qui va régler le problème, alors. Attendez, sur quoi, madame? Attendez, là, il va falloir peut-être rentrer plus en précision, quand même. Ça reste un petit peu flou pour nous, on ne connaît pas bien les affaires, là. Elle a eu une demande de changement de nom. D'accord, changement de nom, ok. Qu'elle était demandée par le ministre de la Justice là-bas, parce qu'ici, le tribunal n'a pas de compétence à PSA. Oui, et en tant que l'emploi majeur. Oui. Et donc, nous, on a eu la réponse qu'elle est accordée, quoi. Mm-hmm. Elle a été créée la sortie. Oui. Mais elle a dit qu'il faut attendre 2 mois avant que le procureur, il donne
Il vient de la réponse d'année du procureur. C'est quoi il veut dire? C'est pour un changement de nom. En général, c'est pour le procureur va s'occuper de faire les transcriptions au niveau des états civils. Oui, voilà. Voilà. Donc et il a dit 2 mois, mais 2 mois est fini. Eh bien, il faut vous renseigner auprès du procureur, auprès du parquet de la ville de votre domicile. Donc, c'est soit Saint-Pierre, soit Saint-Denis. Saint-Denis. Et puis, aller voir avec votre décret, vérifier ce qui a été fait. D'accord. C'était pour un changement de nom, hein. C'était juste pour les téléspectateurs. C'est ça, c'est un changement de nom. Tout le monde soit là, quoi. Enfin, tout le monde comprenne un petit peu, c'est bien. Merci. C'est bon ? De rien, madame. Bah, écoutez, très très bien. Bonsoir. Bonsoir. Suivant au standard, bah dites donc, il y a du monde. Bah, c'est très très bien. On vous remercie bien sûr d'être présent. Bonsoir, on vous écoute. Oui. Oh là là, madame. Oh là là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il faudrait éteindre la télévision, s'il vous plaît. D'accord, je baisse le son. Ouais, baisser à 100%. Oui, voilà. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. J'ai un fils qui avait 12 ans. Il y avait un attouchement sexuel. Ah. Je suis partie à gendarmerie, expertise. Il m'a dit qu'il faut attendre la réduction. Comment dire ça ? La réponse de la justice. Je voudrais savoir c'est quoi mes droits, s'il vous plaît. D'accord. Donc, madame, vous avez porté plainte, c'est ça ? Oui, exact, oui. Alors, vous avez porté plainte, il y a eu une enquête, certainement. Oui. Votre enfant a été entendu, la personne qu'il a accusée a sûrement été entendue. Ça, je ne sais pas. Ça, vous ne savez pas. Alors, le mieux dans votre cas, puisque vous ne pouvez pas, vous, en tant que particulier, en tant que maman, avoir accès au dossier, d'accord ? Pour avoir accès au dossier, il faudra voir un avocat. Si justement, ce matin, je suis partie à la maison de justice pour faire un avocat, oui, voilà. Il faut attendre le jugement. Ah, d'accord. Ben, en fait, le jugement, c'est pas sûr que ce... En fait, il faut d'abord savoir où en est la procédure. Parce que quand vous portez plainte, d'abord, des fois, la plainte ne va pas jusqu'au bout. Des fois, la plainte aboutit à une convocation devant un tribunal. Des fois, c'est orienté vers un juge d'instruction pour une enquête. D'accord ? Oui, d'accord. Et pour connaître l'avancée de la procédure, vous avez 2 solutions. Ou vous allez au bureau d'ordre, ça s'appelle un bureau d'ordre, au tribunal, d'accord ? Et vous demandez où ça en est l'enquête. D'accord. Ou vous allez voir un avocat qui va écrire pour savoir où en est l'enquête et demander la copie des pièces s'il peut l'avoir. Oui, mais est-ce que ça, il faut la gendarmerie ou pas ? Il faut quoi, pardon ? Est-ce qu'il faut partir à la gendarmerie ou pas pour ça ? Non, non, madame, je vous ai expliqué. Ou vous allez au bureau d'ordre, au tribunal, pour savoir ce qu'il en est de la procédure. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous allez voir un avocat qui, lui, va s'adresser au procureur, à la gendarmerie, etc., pour avoir des informations sur le dossier. D'accord. Mais vous pouvez aller à la gendarmerie pour porter plainte, mais pour savoir où est le dossier, où ça... Comment ? Vous avez déjà porté plainte, oui. Oui, c'est ça. Oui, mais vous avez fait la première étape. Maintenant, pour savoir l'avancée du dossier, il faut ou bien où ça va au tribunal, d'accord ? Et ou alors où ça va, un avocat va demander des renseignements pour vous. Oui, en plus que ça, il ne va pas enlever mon enfant quand même. Mais non, madame. Pourquoi il va enlever votre enfant ? Vous l'avez fait ce qu'il fallait, vous l'avez porté plainte. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ça y est, j'ai fait ça. Oui, ben voilà. Mais pourquoi va enlever votre enfant ? On n'a aucune raison. Ben, je ne sais pas, moi, je suppose, parce que je suis inquiète pour mon enfant, quoi. Mais non, madame. Vous êtes la maman, vous avez porté plainte, c'est-à-dire que vous l'avez protégé, votre enfant. Ah oui. Ben voilà, il n'y a pas de raison pour qu'on vous enlève votre enfant. Non. Ben, j'espère que non. Ben, j'espère pour vous, mais a priori, non. Pourquoi ? Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Vous avez fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de raison qu'on vous enlève votre enfant. Ah ben oui, parce qu'il est attaché vraiment avec moi. C'est normal. Et c'est bien, mais il n'y a pas de raison, alors. Ben oui, parce que c'est inconnu. Oui, si vous vous occupez bien de votre enfant, on vous enlève pas vos enfants. Oui. Voilà, madame. Bien mon enfant. Voilà. À continuer à bien l'aimer. Ah ben, ça, c'est sûr. Hein. Ben, merci pour votre émission. Super. Merci. Je vous écoute, là. Merci à vous. Je vous regarde aussi. Et bon courage, parce que c'est pas une procédure facile. C'est pas évident. Ce genre de fait. C'est vraiment difficile. Hein. Voilà. Bon courage, madame. Au revoir. Bon courage à vous, Yvon Rouget. Merci. Courage. Allez-vous. Merci beaucoup. Merci. Continuez toujours au standard, au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Quel est votre sujet ? Quelle est votre question ? On aura la réponse. Allô ?
Allô ? Oui, bonsoir. 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 Oui, on vous écoute. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Merci, bonsoir. Compagnie de Maître Waro et Maître Etève, oui. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Avec plaisir, on vous écoute. Alors, j'avais un crédit de voiture. Mm-hmm. Pendant 3 ans, j'ai payé le crédit de voiture. Bien payé le crédit de voiture. Ouais. Et on a soldé le crédit. Mm-hmm. Et on a repris une autre voiture. D'accord. Et là, ça fait 7 ans, la nouvelle voiture. 7 ans. Et là, hier, j'ai reçu la semaine dernière, j'ai reçu la visite de quelqu'un en me disant qu'on doit encore 500 et quelques euros. Alors, il demande qu'est-ce qu'il faut faire. Ouf. Ça, c'est pas évident. Alors, oui, alors, j'ai pas bien compris. Alors, vous avez fait un premier contrat de prêt pour l'acquisition d'une voiture. Oui. Au bout de 3 ans, vous l'avez remboursé intégralement. Oui, oui. Donc, oui. Après, vous avez refait un nouveau contrat de prêt. Voilà. Oui, d'accord. On a soldé, on a repris notre voiture, et là, le crédit est fini. Ça fait 7 ans, la voiture, le crédit est fini de payer tout. Il est fini de payer quand ? Ben, ça fait 7 ans, on a payé depuis le mois d'avril, la voiture, c'était 2008. C'était un prêt sur 7 ans, alors ? Oui, voilà, ça fait 7 ans. Et donc, avril, pour vous, c'était fini. Mais comment vous savez que c'était fini ? Vous avez votre échéancier sous les yeux ? Vous avez regardé ? Ben non, la maison de crédit, voilà. Ça dit, ben c'est fini, on a bien fini de payer. Non, mais elle vous l'ancienne voiture, c'est avant, ça. Alors, les 500 et quelques euros, c'est qui vous demande cette somme-là ? Ben, c'est la maison de crédit. En tant qu'on, quand on avait soldé la première voiture, là, elle restait encore derrière. Ben, on dit non, on a soldé la voiture. On a repris notre voiture de nouveau. Oui, alors ça me semble quand même très particulier. Vous avez de toute façon les éléments qui justifient que vous aviez bien soldé le prêt au moment où vous avez vendu le véhicule. Oui. Voilà. Donc vous faites un courrier circonstancié à votre organisme de prêt, oui. en expliquant tout ça, en donnant les photocopies de ces documents-là, en disant que pour vous, ça a été soldé à telle date. Alors, effectivement, il faut faire attention parce que vous avez vendu la voiture ou c'est le concessionnaire qui a repris ? Comment ça s'est passé ? Le concessionnaire a repris la voiture. On a repris notre voiture. C'est ça. Alors, le concessionnaire, il faut vérifier combien il a repris votre voiture et si ça correspondait bien au solde du prêt. Alors après, effectivement, aujourd'hui, il se réveille maintenant l'organisme de prêt. Donc, il faudra voir s'il n'y a pas une prescription entre-temps. Ouais, c'est ça. Parce que il y a du temps qui s'est passé. Et s'ils n'ont pas réagi plus tôt, ben, de toute façon, leurs sous, ils ne vont jamais les récupérer. Mais première chose, il y a peut-être une différence entre le prix d'acquisition par le concessionnaire du véhicule qui a servi de paiement à l'organisme de crédit et qui n'a peut-être pas couvert l'intégralité de la somme. Sauf qu'ils auraient dû vous le dire dès le début, enfin au moment où ça s'est passé. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tard. Donc vous, ça fait 7 ans, alors, la voiture. Vous, pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas à vous d'apporter les éléments qui justifient l'existence de cette somme. Vous leur écrivez en leur disant que vous leur devez rien, que de toute façon c'est depuis telle date que vous avez soldé avec telle et telle pièce justificative, et vous leur dites merci d'éviter de me réécrire, sinon j'userai des voies de droit qui me sont offertes, et notamment la possibilité d'aller voir un avocat et d'aller saisir la justice, et vous verrez bien comment ils vont réagir de toute façon. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. De rien. Bah, pas de problème. Revoir. 7 ans après. Au revoir, madame. Bonne soirée. 7 ans après, il continue à demander un petit peu d'argent. C'est dingue quand même. Euros, c'est prescription, c'est quoi, grosso modo ? Il y a une date quand même pour tout, entre porter plainte, entre faire appel. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de dates. Il y a beaucoup de dates là. Oui. Il y a beaucoup de dates. Oui, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans. Alors là, pour le cas de la dame, là, mettons pour la diffamation, la dénonciation calomnieuse. Oui. Voilà, et ça, on peut voir ça sur Internet un petit peu tout le barème des combien de temps vous avez. Ouais. Non, c'est pas un barème, c'est pas. Non. Non, il y a des textes légaux, mais le problème, c'est qu'il y a des prescriptions à chaque fois dérogatoires en fonction de tel contrat ou de tel autre. Donc c'est vraiment très compliqué, et parfois même les avocats.
Des fois, on ne s'y retrouve pas. Honnêtement, les textes changent en plus régulièrement. Donc, d'accord. Donc, pour le cas de la dame, 7 ans, quand même. Là, 7 ans, c'est compliqué. Ce serait plutôt 5 ans. Ce serait plutôt 5 ans. D'accord. Moi, je vous admire à lire des petits textes tout petits comme ça. Vous avez des loupes à la maison comme ça? Pour des lunettes. Pour des lunettes, c'est clair, j'imagine. On imagine. Allez, on continue au standard 0262-566-566. Bonsoir, allô, on vous écoute en compagnie de nos avocats. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Oui. voilà. J'ai reçu un PV pour non-présentation immédiate par le conducteur d'un véhicule du permis de conduire du 7-8K ou CPC assimilé. Bon, ça monte à 11 euros. Hein? Le monsieur m'a dit de. Voilà, ça, 11 euros. Comme j'habitais pas trop loin de chez moi, j'ai dit à l'agent. Concernant, il dit bon, je vais aller chez moi, je vais ramener le papier. Mm-hmm. Le monsieur a gardé ma carte, je suis parti chez moi, j'ai ramené mon permis de conduire, il a regardé, patati patata, bon, bref. Après, il m'a fait signer sur son ordinateur portable le PV en question. J'ai signé, il me dit bon, merci, au revoir, monsieur. Mais voilà que je reçois maintenant un avis de contravention, non-justification dans les 5 jours de possession du permis de conduire, de certificat ou de récépissé assimilé. 90 euros. En plus, les 11 euros. Alors, vous voulez savoir pourquoi? J'ai deux PV, un à 11 euros, non-présentation de certificat de PMI. Je suis parti accord avec l'agent. Je suis parti, comme j'habite pas très loin de chez moi, je suis revenu. Et après, bon, c'était OK, hein, mais il me dit, bon, je vais recevoir mon petit papier de 11 euros. Mais voilà, je reçois un papier de 11 euros, et en plus que ça, un autre PV avec description d'infraction, non-justification dans les 5 jours de la possession du permis de conduire, ou c'est le cas où vous récépissez assimilé. Des fois, on dirait qu'ils s'acharnent un petit peu quand même. Hein. Ils ont une façon de faire les PV maintenant qui sont assez sympathiques. Voilà. Il n'y a même plus de traces en même temps. Voilà. Moi, je me suis mangé 135 euros, là, 3 points, un rond-point, pendant sac qu'il faut. Allez, non, Je n'avais pas le PMI de chez moi, parce que c'est un vieux camion. Comme je dis à l'agent, hein, monsieur, je ne roule pas avec mon PMI parce que je me fais voler. Je l'ai volé déjà 2-3 fois. Donc, j'étais de mon secteur, hein, j'étais même pas à 2 minutes de chez moi. Il me dit, bon, d'accord, en accord avec lui, je suis parti, même pas une minute, hein, j'ai ramené mon permis de conduire. Mais c'est un vieux permis, après il a regardé, tout ça, monsieur, oui, d'accord, mais voilà. D'accord. Bon, voilà, vous êtes un très très bon scénariste, hein, là on a bien imaginé. Alors, monsieur, le fait qu'on vous arrête et que vous n'ayez pas votre permis de construire, de conduire, alors c'est une infraction. Vous devez porter votre permis quand vous êtes en voiture. D'accord, je suis d'accord. D'accord. Donc, si vous avez un vieux permis, vous pouvez aller le refaire. Comme ça, il sera plus transportable. Ah ben, si on refait tout le monde. Plus présentable. Ensuite, quand vous avez signé le papier, vous avez demandé un justificatif? Non, il m'a fait signer sur Oui, le petit boîtier, là. Ça n'a pas été enregistré. Sympa. Très, très bien. C'est ça. Donc, là, vous avez deux solutions. Ou vous essayez de repartir au commissariat, à la gendarmerie, vous leur demandez... Oui, mais ça vient pas de la gendarmerie de Saint-Denis, ça. Ça vient de métropole. Oui, d'accord, mais vous demandez... Quand vous avez signé le papier, vous êtes bien allé à la gendarmerie, au commissariat? Non, le monsieur m'a dit de signer, voilà, mais vous êtes d'accord? Il me dit, d'accord, 11 euros, il me dit, vous contestez, mais c'est votre parole contre... Et là j'ai deux PV, 11 euros et 90 euros. Ouais, mais ce sera votre parole contre celle qui de quelqu'un qui a été assermenté. Oui, voilà, en fait, il n'y a aucune chance. En fait, c'est... C'est bien compliqué. Alors... Mais ça ne vous empêche pas de contester, monsieur. Oui. Vous avez deux mois pour contester. J'ai fait une lettre pour protester. Oui, vous faites une lettre. Vous avez 2 mois pour le faire, pour contester. Oui, j'ai fait tout de suite. Voilà. Mais non, mais faites-le par écrit, hein. Sinon, ça ne sert à rien. Une lettre avec... recommandée à quelques réceptions. J'ai bien précisé dessus que j'étais en accord avec l'agent, que je dois ramener mon permis. Ben oui, mais bon, là, ça sera compliqué, monsieur.
Voilà, voilà. Bon, bah là, il n'y a pas trop, trop de solutions, hein, hormis... Comment, vous payez combien ? 11 euros ou 90 euros ? Les deux. Normalement, pour contester, oui, il faut quand même payer. Hein. Ah, ouais. L'argent est dans la poche, après on discute. Voilà. Hein, c'est bien. C'est mais monsieur... les impôts. Hein, ouais, c'est ça. C'est, même heure, le 5, même date. Alors là, il me demande, parce que le policier, puisque ça, je le connais plus ou moins. J'ai encore sa photographie dans ma tête. Le commissariat, il me dit, monsieur, oh, arrêtez, j'étais accompagné d'un petit chien, il a causé avec mon chien et tout, arrête. Le chien ne peut pas parler, d'accord, mais... Mais il sait plein de choses, le chien, il pourrait aboyer. Oui. Bon, même là, monsieur, en fait, on peut vraiment rien faire, hormis, en effet, payer et puis contester, avoir un remboursement. Mais c'est vrai que là, des fois, on se sent vraiment un petit peu arnaqué. Il m'a fait son matricule et tout, hein. Ouais. Bah écoutez... Vous contestez, vous mettez tous les éléments que vous avez, vous racontez l'histoire avec le petit chien et tout ce qui s'ensuit. Et puis, à mon avis, il y aura... La prochaine fois, alors, il y a des gens qui le font, c'est-à-dire qu'ils prennent leur portable, parce qu'on vous donne plus de duplicateur, on vous donne plus de papier maintenant. Donc, vous prenez votre portable et vous photographiez le petit écran. Ouais, le petit écran tactile. Du PV. Voilà. Donc, ça, la prochaine fois... Oh là là, mais là, monsieur, c'est pas ma génération de marcher avec un téléphone portable. Oui, c'est clair. Maintenant, c'est compliqué. Par contre, eux, c'est leur génération de le faire, hein, je vous le dis. Oui, puis, ça vient le faire. Je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord. Voilà, monsieur. Je comprends pas. Il y a quand même... Ouais, c'est pas cool. Enfin voilà, par contre, monsieur, s'il vous plaît, rappelez-nous quand même pour nous dire si c'est dans un mois ou pas, si vous avez eu un mouvement par rapport à ça. Ça peut aider aussi d'autres personnes dans d'accord. cette situation. Et je vous donne quoi comme référence au petit chien ? Le petit chien. Vous d'accord. parlez du petit chien. Un petit chien blanc ? Non, vous allez retenir le nom du chien, il s'appelle Goliath. Hein. C'est un chien miniature, mais il s'appelle c'est Goliath. C'est David contre Goliath. Bon, ça marche, oui. J'en profite, attendez. Oui. J'en profite de vous dire à Mme Moirot que j'étais quand même son chauffeur à l'époque. Bon. Vous aviez un chauffeur, un chauffeur qui circule sans permis de conduire. Ah, parce que je veux pas étaler les détails. Elle va comprendre. Elle va comprendre. Voilà. Bon. Bonsoir, mon chauffeur. Dans le service de collectivité. Pas plus. Voilà. Elle va comprendre. C'est merci tout. Beaucoup. Et puis pour le chien. Merci. C'est Goliath. Allez, vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Au standard. Eh ben, écoutez, on continue. Allô. Allô, bonsoir. On vous écoute, bonsoir, en compagnie de Maître Etève et Maître Waro. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Je voudrais avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Vous aurez une grande réponse, allez-y. Voilà, je suis célibataire, j'ai un bien de fond, j'ai 6 frères et sœurs. Je voudrais faire une donation à un enfant de ma nièce. Je voudrais savoir si c'est possible. Oui, tout à fait, madame. Il n'y a aucun problème. Plein d'argent, plein de taxes à payer. Voilà. Maître Etève et Maître Waro. Alors oui, ça va peut-être le servir ou pas, mais il y aura plein de taxes à payer. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez faire la donation et d'ores et déjà, allez vous renseigner auprès d'un notaire qui va vous expliquer quels seront les taxes et les honoraires et les émoluments que l'enfant de votre nièce aura à payer. Ah, ça peut se faire alors ? Ah oui, bien sûr. Mais c'est cher la donation ? Justement, il faut aller voir un notaire. C'est les plus à même de vous répondre. C'était la seule question que je voulais poser. Voilà. Ah bah, c'était une petite question avec une petite réponse, mais en effet, quand c'est pas vraiment de la famille proche. Après, il y a une possibilité souvent que les gens utilisent quand ils n'ont pas d'enfants. Oui. Ils font une adoption simple. D'accord. Mais ça peut se faire alors. Ça peut se faire, oui. Une adoption simple, c'est-à-dire il garde la filiation avec ses parents. Même si on a des frères et sœurs. Oui, vous pouvez adopter votre petit neveu, il n'y a pas de problème. Même s'il a des parents. Adopté, c'est hein. Comment ? C'est pas adopté, c'est un enfant de la nièce non, que je voudrais c'est ce donner. Que je vous dis, c'est pour si payer vous moins. Vous voulez éviter de payer trop de taxes et de frais de succession parce que c'est pas un héritier en ligne directe. Oui. Souvent, les gens font des adoptions simples de leurs petits-neveux à qui ils veulent donner leur bien. Bah, c'est non, une ça, c'est possibilité. Pas adopté, je donne comme ça. Oui. Vous allez payer beaucoup de taxes. Allez voir le notaire, il vous expliquera. Ah, ouais. C'est moi qui paye les taxes.
C'est l'héritier qui va payer les taxes. Ah, c'est l'héritier qui paye alors. Oui, il ne faut pas que ce soit un cadeau empoisonné non plus, c'est pour ça. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Mais voilà, allez vous renseigner près du notaire, c'est important, il n'y a pas de souci. Renseignements, au revoir. Au revoir. En métropole et dans les dom-toms, etc., on n'est pas le seul pays à payer des droits de succession ou on est un des seuls pays à payer ces droits honteux? On paye beaucoup en France. Beaucoup. À tous les niveaux, hein, pas qu'au C'est un grand débat, mais oui, il y a des pays, par exemple en Suisse, où on ne paye pas de droits de succession. Ah ouais. Mais bon. Ah ouais, c'est ça. Et en France, on paye. Et en plus, là, ça a été encore majoré. Voilà. On paye beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des arrangements pour essayer de ne pas trop enrichir l'État. Trop s'appauvrir. Et pas trop appauvrir l'héritier. Eh bien oui, c'est ça, voilà, c'est ça le problème. Allez, on va continuer au standard. On va au suivant, 0262-566-566. Vous connaissez déjà le numéro de téléphone, c'est parti. Allô, bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question à poser. Oui, bien sûr, on vous écoute. J'ai une maison. Oui. Mon voisin, là, il plante des petits cocos près de ma maison. Est-ce que c'est possible, ça? Le voisin? Même pas à un mètre de ma maison, il plante un rond de coco. Ah. Alors. Maison vraiment collée, quoi. Non, mais ça, il n'y a pas de maison, lui. C'est ma maison à lui. Et après, il y a un bout de pied à côté. Et il plante un rond de coco juste côté de ma maison. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il a planté un rang de coco, vous dites, près de la limite. Même pas à un mètre de ma maison. Même pas à un mètre de votre... Il y a une clôture ou pas? Il y a un mur mitoyen? Il n'y a pas de clôture, rien. Il n'y a rien. Alors, en principe, il y a des distances à respecter, hein, ça c'est sûr. Maintenant, c'est essentiellement pour les immeubles, les distances à respecter. Oui. Alors, si jamais les cocos dépassent à terme et arrivent sur votre parcelle, vous avez le droit effectivement de lui demander de les couper. Il faudra faire une procédure alors, monsieur. Ah ouais. Il faudra aller devant le tribunal d'instance pour demander à ce qu'il enlève ses cocos parce qu'ils empiètent sur votre parcelle. D'accord, parce qu'il prend dans la bonne. Et les branches, tous les branches, ils viennent chez moi, alors si vous voulez bien. C'est ça. Justement. Alors, moi je dirais que vous avez le droit de les enlever, de couper. Oui. Mais bon, comme vous risquez d'avoir des difficultés avec monsieur, vous faites constater ça. Mais madame, il prend les jeunes pieds. Il fait passer, enlève tous les pieds, partir ensemble. J'étais plus loin. Et après, ils sont obligés de voir la gendarmerie va dire ça passe, comme ça, il va voir un petit peu quand il y a tant de faire. J'ai pas entendu. Samedi, dimanche. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Mais c'est par exemple, si il enlève tous les pieds de coco, oui. J'ai le droit. Mais non, mais on peut pas enlever les pieds de coco, les planter chez le monsieur. Non, mais c'est les plants, ben, jeunes plants. Oui, mais les jeunes plants, où ça y est, les planter dans la parcelle de terrain de votre voisin. Non, il est planté dans la borne, mais tous les branches, une partie de branche, il tombe chez moi, une partie chez lui. Dans la borne, c'est quoi? C'est quoi? Il y a un bornage. Déjà, est-ce qu'il y a un bornage amiable entre vos deux parcelles? Un bornage, mais il y a dans la borne carrément. Il a mis les pieds de coco dans la borne. Dans la borne. Sur la limite. En fait, il fait une clôture végétale. Oui. Ah oui. Mais là, si c'est sur la limite, il doit y avoir votre accord normalement. Donc c'est pas possible. Mais là, vaut mieux aller au tribunal pour les faire enlever. Et en passant par la mairie. En allant voir la mairie, non, non. Il y a les choses de voisinage, tout ça. Ah oui, bah oui, après ça va être une question de terrain. Effectivement, oui. Il y a certaines municipalités qui peuvent gérer ça. La DIL, non, c'est pas ça. Non. La DIL peut vous donner des renseignements, monsieur, mais ils ne pourront pas faire la procédure. Ils ne pourront pas aller arracher les cocos. En tout cas, si ces plants de coco, ils sont dans son jardin, il a droit. Par contre, en effet, il se doit de dégager les feuillages. Et si c'est dans la borne, il n'a pas le droit de le faire tout seul sans votre autorisation. Donc, il faut aller au tribunal. Et sinon, effectivement, il y a certaines municipalités qui, par l'intermédiaire de leur police municipale, peuvent essayer de régler le genre
de problème, ou oui. sinon, vous avez aussi les maisons de justice, avec D'accord, les conciliateurs okay. de justice ouais. que vous pouvez saisir pour essayer de régler le problème avant d'aller en justice. Voilà. D'accord, ok. okay. Voilà. Merci bien. De merci rien. Beaucoup, monsieur. En attendant, bien sûr, les autres appels au standard, monsieur me disait à la fois, il peut être menaçant, son voisin. Qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à ça? Parce qu'on sait qu'il y a le problème à essayer de trouver une solution, mais on n'est quand même pas à l'abri qu'il s'énerve si on trouve une solution. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut dire, attention, j'ai eu des menaces, il faut qu'il aille au commissariat, à la gendarmerie, dire, voilà, monsieur Intel, mon voisin, est un peu menaçant parce qu'on a un problème? Et parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein, quand on voit les résultats des voisins, vous connaissez bien le truc. Hein, c'est pour ça que c'est important. Donc, quand on se sent menacé par son voisin... Il faut aller porter plainte. Mais alors, c'est toujours très compliqué parce que les menaces, il faut qu'elles soient matérialisées. Soit, par exemple, mon voisin est sorti avec un sabre à canne dans la main, même s'il l'a tenu le long de la jambe et qu'il ne l'a pas brandi contre moi, ça peut entraîner effectivement une qualification de menace. En revanche, si ce sont uniquement quelques joutes verbales entre voisins, où il n'y aura pas d'insulte particulière, où il n'y aura pas de menace de mort, c'est toujours difficile à qualifier pénalement. Donc il faut bien savoir à quel moment on se sent menacé, aussi bien de mort, mais aussi de violence. Parce que ma Toto Chahou, par exemple, c'est une menace de violence. Donc on n'a pas besoin d'attendre de dire « je vais vous tuer » ou ici à Kouni, sur le moment. Voilà, ça aussi, c'est... C'est bien, on va faire tous les... Ah, mais voilà. ça très, très ça, bien. C'est aussi une menace Alors, de violence. Ok. Voilà. Bon, écoutez, merci pour ces précisions, en tout cas. Maître Etève, on continue au standard. Allô. Hello. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est juste pour l'enseignement, s'il vous plaît. Oui. Par contre, ma fille s'est divorcée toute. Par contre, maintenant, je sais que le papa, on va dire, comme quoi, que, on va dire que nous n'avons pas de papier jugement, on a toutes les choses en règle. Mais quand il y a pour la fête de mai, elle ne donne pas. Quand il arrive pour Noël, il ne donne pas. Quand c'est son père, il ne donne pas pour Noël. Il ne donne pas rien. C'est plusieurs mains courantes. On va dire que... non, plusieurs portes. Mains courantes, on va dire. Pas portes peintes, on va dire mains courantes. On va dire que c'est toujours pareil. Madame, alors le problème, c'est que vous avez un jugement et monsieur ne respecte pas, c'est ça? Il ne respecte pas. Et l'enfant est chez vous ou chez lui? En temps normal, c'est moi dans la garde. Mais lui, il n'a rien qu'un week-end sur deux. Oui. Et après, moi, c'est pas con, c'est... voilà. Et il respecte pas quoi? J'ai pas il compris. Respecte pas rien, il respecte pas rien. En fait, par exemple, si c'est son week-end et que c'est la fête des mères, il vous laisse pas les enfants avec non. vous. C'est ouais. la fête des mères, alors... les enfants les polis, donc les donnent pas moi pour le jour. Pour attendre, j'ai pas fait le jugement, il écrit qu'il faut les ramener les enfants. Et après, on va dire le dimanche, les gars sont enfants le vendredi, mais il faut les ramener le dimanche. Mais ils ne les ramènent pas. Ils sont pas des jugements et autrement. Oui, mais alors, madame, en fait, il n'y a pas d'obligation. Tant qu'il respecte le jugement, il n'a pas d'obligation de vous les donner le jour de la fête des mères. Bon, après, ça tombe sous le sens. Bien évidemment, la fête des mères, ça paraît logique que ça se passe avec la maman. J'ai eu encore l'expérience, il n'y a pas plus tard que... Madame, c'est autant, depuis 4 ans... Alors, écoutez-moi, justement. Les juges aux affaires familiales, que ce soit à Saint-Pierre ou Saint-Denis, sont très attentifs à ce genre de petits détails qui nous paraissent peut-être pas très important, mais la fête des mères, effectivement, c'est avec la maman. La fête des pères, ça doit être avec le papa. Oui. Donc, si jamais il ne vous les laisse pas, il faudra tôt ou tard saisir le juge par rapport à ça pour que ce soit spécifié dans la décision, si ça ne l'a pas déjà été fait, parce que ça peut être indiqué dans la décision noir sur blanc. Et si jamais vous voulez peut-être vous prémunir d'un certain nombre de preuves, parce que difficulté... Pardon, madame. Non, attendez, non, laissez-moi terminer et après vous rajouterez des choses. Par rapport à le fait, par exemple, de demander les enfants le jour de la fête des mères, si vous regardez le calendrier et que vous vous rendez compte que le week-end de la fête des mères, en tout cas le dimanche de la fête des mères, les enfants sont avec leur papa, vous lui écrivez
quelques temps avant en lui disant « Il s'avère que la fête des mères va tomber tel jour et c'est dans ton week-end. Je te demanderai de bien vouloir me donner les enfants la journée du dimanche pour la fête des mères. » Et en contrepartie, vous lui proposez un de vos jours à vous de garde pour rééquilibrer les choses. D'accord ? Et si il ne répond pas ou il répond négativement, à ce moment-là, vous avez des éléments pour aller devant le juge. Bon, après, écoute, hein. Bon, par rapport que on va dire des choses avant. On va dire que Lina la garde des enfants, on va dire un week-end sur deux. On va dire que me donne les enfants avec les linges, maillot, culotte, ça va tout de bons trucs. Quel est le rapport ? C'est sans maillot, sans culotte. Et ben, les choses déchirées. Mais madame, vous donnez plus rien. Et puis les choses déchirées, ben, c'est horrible, hein, parce que c'est vos enfants qui sont, qui sont pris dans le... Mais justement, ben, vous... c'est qu'un recours, mais il y en a moins. Il n'y a pas de recours, madame. Vous donnez pas. Il n'y a pas de recours. Le juge viendra jamais vérifier tous les week-ends comment ils rentrent vos enfants. Hein. Donc, si ils jouent à ce jeu-là, eh ben, tous les week-ends, quand vous les récupérez avec des vêtements déchirés, vous, chez vous, bah, vous leur donnez les vêtements que vous leur avez achetés. Et puis, avant de partir chez papa, bah, ils remettent les vêtements avec lesquels ils sont venus. Comme mais ça, papa, jamais. Peut-être que... Écoute, mon papa, écoute, mais elle a 10 ans. Hein. Comment il va comme ça? Comment il peut aller comme ça? Papa, voir les vêtements quand les enfants sont chez lui. Vous n'avez pas à lui donner des vêtements. Voilà, maintenant, c'est comme ben ça. Voilà, mais comment me peut faire sortir les enfants chez moi? Eh bien, alors, madame, vous donnez et puis vous ne pouvez pas vous en plaindre. Parce que soit vous jouez le donc, jeu de monsieur... Donc, on va dire c'est moi de Nathan là-dedans, alors. Non. Ben non, non. Mais on vous dit, madame, que vous n'avez pas à donner. Vous nous dites, mais oui, mais moi, je ne peux pas laisser sortir les enfants comme ça. Ben, je sais bien que c'est désagréable. Non, mais attends, si par exemple, on va dire que si par exemple, écoute bien, si par exemple, mes filles, ou bien quoi que ce soit, mettez la photo, mettez les photos, mais ça va les juger des enfants. Est-ce qu'il n'aurait un recours? Est-ce qu'il n'aurait un truc? Non, pour les vêtements, non. Non, non, pour les vêtements, madame. Normalement, les enfants, quand ils sont chez vous, vous les habillez, etc. C'est plus intelligent de leur donner leurs vêtements quand ils sont chez le papa, mais s'il y a des problèmes, quand ils sont chez le papa se débrouille, il les habille, il fait ce qu'il veut. Et puis voilà, point final, vous ne donnez pas de sac de vêtements ben, quand ils vont chez le papa. On va dire que les enfants, ils souffrent chez le papa, c'est pas grave alors. Ben madame, j'ai pas dit ça, mais on après essaie de ça, trouver madame, une solution, madame. Vous savez, on essaie de répondre à vos questions, si maintenant on peut être, on est, et c'est aberrant doit... cette situation, non, mais on n'y peut rien. Non, mais les souffrent, madame, deux secondes. Madame, s'il vous plaît, écoutez Maître Etève. Madame, s'il vous plaît, écoutez Maître Etève. Merci. Vos enfants, s'ils souffrent chez leur père, c'est pas forcément qu'à cause des vêtements. Si vous parlez de souffrance, il y a pas que à cause des vêtements. Donc, voilà. Vous fixez pas sur une histoire de vêtements. Essayez d'aller voir quels sont les réels problèmes pour essayer de les faire ressortir. Bah, à ce moment-là, prenez une consultation chez un avocat. Vous aurez le temps d'en discuter plus longuement. Vous aurez le temps de lui dire exactement quelles sont les difficultés de prise en charge chez le papa pour essayer de faire une procédure après. Ok. Voilà. Oh, madame, on vous donne raison, hein, mais voilà, on peut pas aller plus loin et bah, c'est la procédure avec Maître Etève, c'est le conseil. Non, voilà, mais madame. Attends. Madame, je crois qu'on a fait le tour. Excusez-moi, j'ai pas voulu relancer la conversation. Je voulais juste vous dire, en effet, suivez le conseil de Maître Etève. On a bien compris votre situation et on en est vraiment désolé. Comme quoi, les parents boivent et les enfants trinquent. Merci en tout cas de votre appel et j'espère qu'on a pu vous orienter. Entre temps, on continue toujours au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. 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 Si, pour moi, c'est Morin. J'ai fait droit de... ce qui concerne les enfants. Hein. J'ai fait demander droit de garde. Et c'est quoi, ça fait deux ans, trois... Ça donnera deux ans. J'ai la première, cinq ans. Bientôt, la deuxième aura trois ans l'année prochaine. Là, j'ai un week-end sur deux. Et je voudrais savoir si dans notre... Le deuxième enfant qu'on a à l'école, si je pourrais avoir la garde alternée, je voudrais faire la demande pour faire la garde alternée, c'est accepté ou pas? Oui, monsieur. Maître Warren. Dans l'absolu, oui, ça peut être accordé, mais il faut certaines conditions. Il faut d'abord que vous habitiez dans la même commune que madame, ou alors à proximité, pour que les enfants aient pas besoin de se réveiller trop tôt pour aller à l'école. Il faut ensuite un minimum de communication avec la maman. Parce que c'est des jeunes enfants. Hein. S'il y a un problème, bah, il faut que vous soyez capable de parler avec la maman. Et ensuite, matériellement, il faut pouvoir vous organiser pour les accueillir. Et peut-être aussi voir si c'est adapté à l'âge des enfants.
Est-ce que vous pensez que c'est bien pour eux à cet âge-là, que ce soit par exemple une semaine sur deux, trois jours, deux jours, ou est-ce que dans un premier temps, ce serait pas mieux d'avoir un peu plus les enfants? Par exemple, quand vous les avez pas le week-end, vous les prenez la semaine. Faut voir qu'est-ce qui est le plus adapté. Peut-être voir un médecin qui peut vous conseiller, consulter un avocat, et puis discuter avec madame si elle voit comment elle voit les choses. Et puis ensuite, oui, dans l'absolu, vous pouvez avoir la garde alternée, si les conditions sont remplies. Mmh. Voilà. Parce que moi, parce qu'il y avait, avant le jugement, il y avait une assistante sociale qui m'avait dit que le jugement, après le jugement du juge, que je pouvais attendre, il fallait laisser la deuxième enfant entrer à l'école avant, après je vous fais une demande. Parce que, en fin de compte, j'avais pas trop, c'est environ 5 km de madame, et moi, c'est juste à que je sois juste à côté même. C'est bien. Oui, apparemment, oui. Maintenant, parlez-en quand même avec la maman et voyez si c'est adapté aux enfants. Et après, vous faites votre demande au juge. Mais elle, la maman, ne veut pas trop parce que les gens, en semaine, quand je vais avoir les enfants, je ne vais pas donner. Je vais plus ou moins respecter la garde que donner quand c'est mes jours à moi, sans pendant les vacances. Mais quand c'est en dehors, elle ne veut pas du tout. Bah, monsieur, de toute façon, vous demandez au juge, d'accord? Le juge va apprécier. Oui. Et c'est pas parce que la maman n'est pas d'accord que vous aurez pas la résidence alternée. Il faut voir comment ça se passera avec les enfants. Et puis peut-être que vous aurez peut-être pas tout de suite la résidence alternée, mais de voir vos enfants un peu plus, par exemple une fois par semaine, au fur et à mesure, quand ils grandiront, et vous aurez la résidence alternée. Et peut-être que vous l'aurez dès maintenant. Il faut voir. Voilà. Donc allez voir où vous faites une requête directement au tribunal. Ou alors vous allez voir un avocat qui va faire votre demande et qui va vous expliquer quels sont les éléments qui sont intéressants à présenter au juge pour avoir votre résidence alternée. Mais dans l'absolu, c'est bien qu'un papa s'implique et ait envie de s'occuper plus de ses enfants, et c'est bien pour les enfants. Donc, parce que j'ai discuté avec les deux premiers, la première veut venir, j'ai discuté avec lui, il est d'abord venu une semaine sur deux. Là, il attend maintenant la petite deuxième, monsieur. Mais comme on dit, la maman me dit que si je donne l'enfant en dehors de droit de garde, c'est quelque chose que je pourrais retourner contre lui. Or, c'est faux dessus. À chaque fois, elle me fait, même quand c'est pas mon choix de garde la semaine, j'ai déjà dit qu'on ne travaille pas. Alors, je monsieur, demande, normalement, le jugement va prévoir des jours fixes. Mais c'est marqué aussi à défaut d'accord. C'est-à-dire que tant que vous êtes d'accord, vous pouvez prendre les enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive de plus chez la maman ou le papa? De toute façon, vous avez l'autorité parentale conjointe, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs à l'égard de vos enfants. Voilà, s'il arrive quelque chose chez vous, ben, vous ferez le nécessaire pour aller à l'hôpital, pour prendre les mesures pour protéger vos enfants. Il n'y a pas de raison que ça se passe de façon différente, il n'y a pas de difficulté. Mais voilà, c'est le motif, parce que à chaque fois quand je vais avoir les enfants, quand je ne travaille pas, et elle me ressort ça, elle me dit comme ça que c'est pas mon droit de garde, c'est arrivé quelque chose. Oui, mais en même temps, il faut être souple. C'est vos enfants tous les deux, ils ont besoin de leur papa, ils ont besoin de la maman. Si le papa peut les prendre un peu plus souvent, bah, tant mieux. Maintenant, si madame veut pas, bah, il faudra aller voir le juge, et c'est le juge qui décidera. D'accord. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Monsieur, pas de problème. Oui, c'était histoire de se. Au revoir. C'est histoire de se protéger par rapport à un jugement. Mais en effet, c'est quand même marqué en disant bon, si vous êtes intelligent, etc., vous pouvez vous arranger. Ouais, mais voilà. Ok. Mieux. Bon, c'est une chose. Continue au standard. Oui. Bah écoutez, c'est super. Eh bien, bonsoir. On vous écoute. Allô. Allô. Oui. Bonsoir. Vous serez certainement la dernière personne de l'émission de ce soir. D'accord. Oui, vous m'entendez bien? Oui, bah très très bien. Oui. D'accord, voilà, en fait, j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Je vais être bref et clair. Je voudrais juste savoir, j'ai une fille de 12 ans, d'accord? Je suis séparée avec le papa quand elle avait 6 ans. Le papa s'en occupe toujours, mais il a une nouvelle femme et tout, etc., une nouvelle famille. Mais moi, ce que je voudrais savoir, je pose la question aux deux avocates, là. Mm-hmm. Maître Warou et Maître Etève, oui. Voilà, je voudrais savoir, s'il vous plaît, quel recours je peux faire pour qu'il doit prendre un week-end, etc., parce qu'il ne prend jamais, il faut que c'est moi qui cours derrière. Ah. Alors, sachant qu'il n'a pas reconnu l'enfant à la naissance, l'enfant porte mon nom. Ah, et il n'y a toujours pas de reconnaissance ?
Non, mais il aime sa fille. Hein. Il aime sa fille. Et non, mais c'est pas le problème, madame, d'aimer sa fille. Quand on aime sa fille, il faut un minimum aussi établir le lien de filiation. Exactement, je pense que c'est voilà, normal, même pour elle. C'est bien voilà. que ce soit établi, qu'elle est la fille de monsieur un tel. Donc, exactement. Si monsieur veut pas le faire, il va falloir que vous vous initiez les choses, que vous fassiez ce qu'on appelle une recherche de paternité en saisissant le tribunal pour aller faire établir la filiation de votre fille à l'égard de monsieur. Ou alors, vous lui dites, il serait bien temps, à l'âge de 12 ans, de reconnaître ton enfant, parce que c'est une démarche très simple, il va à l'état civil et il reconnaît son enfant. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez saisir le juge aux affaires familiales pour faire établir des droits dans une décision, noir sur blanc, le fait que vous ayez la résidence habituelle, qu'il puisse prendre l'enfant un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et qu'il ait éventuellement une contribution à sa charge et à son éducation à vous payer. Voilà. D'accord. Et je voulais savoir aussi, par rapport, comme il n'a pas reconnu l'enfant à la naissance, je voulais avoir une pension alimentaire, mais apparemment, je ne peux pas le faire. C'est bien ce que je vous dis, madame. Voilà. C'est que tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, vous ne pouvez pas aller au tribunal pour demander quoi que ce soit à l'égard de cet homme. Parce que juridiquement, cet homme n'a aucun lien avec votre enfant. Exactement, c'est ce qu'on voilà. m'a dit. Oui. Ouais. D'accord. Donc, il faut que je fasse une recherche de paternité. Oui. Voilà, qui prouve. Mais ça, c'est une erreur de beaucoup de personnes à La Réunion. C'est très important d'établir le lien de filiation paternelle très tôt, dès la naissance. Moi, je le dis, alors souvent on me dit oui, mais non, on n'était pas ensemble et tout. Et peu importe que vous ne soyez pas ensemble, il faut que l'identité des enfants soit claire pour eux. Après, qu'il y ait des liens, qu'il n'y ait pas des liens, que le père veuille s'investir ou pas, ce n'est pas le problème, mais au moins une filiation. Parce que même psychologiquement, c'est important pour les enfants. Pour les enfants, oui. Parce que ma fille, enfin je veux dire, c'est un peu perso, ma fille de 12 ans, aujourd'hui elle souffre un petit peu, sachant que lui maintenant il a d'autres enfants avec la À l'évidence. Femme. Et les voilà. autres sont eux reconnus. Donc non, ça, non, ça, ils ne sont pas reconnus non plus, mais... c'est une marque de fabrique fait... chez lui, c'est rien, c'est une marque de fabrique. Non, le fait qu'elle sait que bon, son papa l'apprend très rarement, et pour elle, elle se dit comme ça, oui, lui ou elle, il est 24 heures sur 24 avec lui, parce qu'il vit avec la nouvelle femme, et elle, quand est-ce que papa me prend? Quand est-ce qu'il... Moi, j'ai besoin de papa aussi quelquefois, j'ai besoin de l'amour de mon papa, lui, il a le droit, moi, non. Donc, mais oui. Lui ou elle, voilà. Donc elle se pose beaucoup de questions et aujourd'hui moi en tant que maman je vois ma fille vraiment en train de souffrir, elle est en âge adolescente actuellement, moi j'aimerais qu'il rentre un petit peu plus dans sa vie, mais lui apparemment, il m'a déjà dit, la seule chose qu'il me dit, c'est qu'il aime mon enfant, d'accord, qu'on a besoin d'un truc, il me dit oui il suffit pas, les gaillards ça, il aime mon enfant, mais pour aller mettre sur un bout de papier que c'est vraiment mon enfant, il est trop compliqué apparemment. Exactement. Il y a un moment donné, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités, madame. Je crois que vous avez assumé la vôtre depuis assez longtemps et maintenant ce serait à lui. Non, mais écoutez, je suis un homme, je crois que je vais peut-être y aller parce que je sens une hostilité qui est assez. Non, mais je trouve ça très facile pour les hommes de procréer et de ne pas assumer. Et nous, les femmes, nous laissons trop faire. Donc il y a un moment donné, il faut effectivement rétablir les choses. Mais oui. Voilà. Mais absolument, maître Etève. Mais je suis entièrement d'accord, hein. Une question que je voudrais savoir. Allez-y, parce qu'il nous reste encore 3 petites minutes. Allez, c'est parti. Rapidement, comment je dois faire pour faire le test de paternité Recherche. Alors, test ou recherche? C'est recherche, c'est pas test. Hein, parce que le test. Aux États-Unis, ça peut pas se faire sans passer par la justice. Donc, les il faut experts que vous avec le test paternel. C'est ça. Non, ça marche pas là, en métropole, enfin en France. Donc, il faut aller voir un avocat pour faire une procédure judiciaire. Il y a un acte de procédure qui va être une assignation en recherche de paternité qui va être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier au papa de votre enfant. Et puis ensuite, évidemment, vous allez fournir des éléments, des photos qui démontrent qu'il y a un lien, des attestations qui disent que c'est bien le père, etc. Et le tribunal peut se suffire de ça pour établir la filiation. Après, à titre subsidiaire, souvent, les avocats expliquent au juge que si jamais il n'est pas assez convaincu par les éléments de preuve qu'on a donnés, à ce moment-là, il y a un test comparé des sangs. Donc, prise de sang sur l'enfant, la maman, le papa. C'est envoyé en métropole. On vérifie la probabilité que l'enfant est bien l'enfant du monsieur en question.
Et si on a un rapport qui dit 99,99999, c'est comme les trucs pour les bactéries, pareil, voilà, c'est 99, ça élimine. On sait que c'est le papa. Donc là-dessus, il n'y aura pas de difficulté et de d'accord. doute. Voilà. D'accord, deux fois que je prenne un avocat alors. Ah oui, à mon avis, vous n'avez pas d'autre solution puisque c'est. Je vais mettre directement vu que vous êtes déjà mon avocat. Ah bon, eh ben, écoutez. Ah bah alors en plus de ça, bah, tout se passe bien. Bah oui, c'est obligatoire. On fait passer les honoraires comme ça, c'est bien. Mais bon, je voudrais être franche. Mais oui, bien sûr. Bonne avocate, voilà. Ah, ah, c'est gentil, voilà. Merci hein madame. C'est, ça, voilà. Ça fait chaud voilà au cœur parce que parfois on en doute, mais ah non, c'est non, gentil. Non. Qui en doute? Il y a tout le monde qui écoute. Maître Cliffy, attention, Maître Waro, je dis pas le contraire. Ah hein, ouais, non, ouais, bien sûr. Mais moi j'ai déjà eu affaire à Maître Cliffy, j'ai déjà vu aussi des audiences, rien à dire. Hein. Et bah, c'est gentil, alors, merci beaucoup. Ouais, donc je pense pour le papa, ça va être battu pour lui, hein, si je vous prends. Oui. Oui. Voilà, en un mot. Hein, et puis alors le oui de Maître Etève était bien, oui, absolument. Non mais dis donc, ça suffit maintenant. Hein. Exactement. Bon, bah, écoutez madame, j'espère qu'on a pu au moins vous orienter. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Voilà. Et je passerai vous voir la semaine prochaine, Maître Cliffy. Très bien. Allez-y, très bien. Pas de souci. À quelle heure? Allez-y, parce que pendant qu'on y est là. Non, c'est... j'appellerai sa secrétaire directement. Voilà, d'accord, ok. Vous avez les secrétaires, merci. Très bien. Alors, on sait que Maître Etève donc, a des secrétaires, Maître Waro a c'est des chauffeurs. Bah, dites donc, ça se passe super bien. Hein, c'est un très, très beau métier. Hein, voilà. Alors, bon, bah, écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir orientés. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition, pour une autre émission, Les Experts Juridiques. Vous avez un doute, vous avez une question, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Eh bien, il y a donc pas mal d'avocats qui seront présents. On compte sur vous. Merci beaucoup. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour la semaine prochaine. Vous le connaissez déjà? Oui, 0262 566 566. Maître Etève, Maître Waro, merci. Merci. Très très bonne soirée. Bonne merci soirée à toute l'équipe technique et on se retrouve pour la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans l'émission Les Experts. Bonne soirée.